Monsieur, dame, salut. Moi, c'est Jean-Bertrand qui salue nous depuis Studio 4 de la d'Amérique dans Washington et qui a invité nous écouter. Dernière édition pour ce maintenant, dans un rendez-vous info, mais nouvelle. Chaque nouveau programme domine l'actualité à Jeux Olympiques d'été Paris 2024 démarré en bas de la sécurité, malgré sa autorité considérée un sabotage système transport train électrique SNCF. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré possible candidat parti démocrate là, Kamala Harris dans Washington DC avant de faire chita parler avec candidat parti républicain Donald Trump dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Et bien en Haïti, le gouvernement met sous pied une commission pour évaluer le décret mars 2021 sur le code à procédure pénale pays. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a développé pour le journal dans la dernière édition. Jeudi, c'est vendredi, nous devons surtout passer un bon week-end. Nouvelle, d'abord, la pluie qui a tombé en ville Paris, en France, pas empêché que fanatiques aient assisté à cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris d'été Paris 2024. Yo. Mais tout a gagné tout le système électrique train et train auto, tout a gagné problème tout. Je tiens Augustin pour plus de détails. Jodi a, c'est vendredi 26 juillet 2024. Li déjà assoué en France. Côté cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024 Paris fin déroulé. Malgré sabotage qui était fait dans système transport train bien bonnet jodi vendredi a. Et puis malgré la pluie qui tape taille banda sous ville là. Autorité yo t'es parlé sous problème nan et t'es dit qui mezi a prend pour joindre hôtesse Zaxa. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Après yon coquin attaque, sous réseau TGV ya nan la nuit jeudi pour l'ouvrir jeudi vendredi ya, Société Nationale Route Train Français SNCF pral présenter un nouveau plan trafic. C'est déclaration Premier ministre Gabriel Attal. PM nan mandé tout moun pou faire attention pendant que enquête la commencé. L'enquête démarre, j'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnées, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Voyager yo sous gros tension parce que yo raté cérémonie ouverture Jeux Olympiques yo à cause des ordres qui fait dans transport train. Nous vraiment pas content parce que nous raté cérémonie ouverture Olympique yo. Nervé parce que nous raté li. Parce que c'est un bagage nous t'es planifié et puis nous t'attend longtemps et puis c'est presque tant qu'ou un bagage ou ka vivre une fois dans la vie ou parce que ou pas aller là tout temps plus passer 300 000 spectateurs t'es resté tant à rebord fleuve la scène pour yo wel les athlètes yo a défilé dans mitan Paris à rebord un petit flotte chaland ak bateau et ça c'est un parti dans un coquin chaîne spectacle que plusieurs milliards moun pral gade. Environ 800 000 passagers ta si pose nan problème nan week-end nan parce que des gars yo en pile. Et puis, ça mande en pile travail pour réparer des gars yo. Nan moment nap li ya, train yo recommencé fonctionner malgré gen en pile travail qui rete pour fête toujours. Autorité française yo déployé 45 000 policiers, 10 000 soldats ak 2000 agents sécurité privés pour assurer sécurité pour cérémonie ouverture jouet yo. Haïti a participé dans Jeux Olympiques Paris 2024 là dans plusieurs disciplines. Tankou, judo, natation, boxe, mais c'est pour première fois Haïti a présent dans gymnastique et année ça, li parmi 10 pays qui gen pi bel habillement dans défilé ya. Gentil Augustin Junior. VOA Creole, Washington. Non, l'autre nouvelle qui
dans notre programme de l'actualité, on a retourné un site aux États-Unis pour nous parler de visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington. Parce que aux États-Unis, côté de rencontré avec le candidat président du Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, candidat parti républicain Donald Trump, dans Mar-a-Lago, détail avec Sandra Lemaire. Donald Trump a accueilli le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, vice président des États-Unis, au pays qui est principal fournisseur d'armes, avec protecteur pays Israël. D'un autre côté, dans Washington, Netanyahu t'a fait chita tendre avec le président Joe Biden et vice-président Kamala Harris dans la Maison-Blanche jeudi. Dans le commentaire qu'il t'a fait devant les journalistes, Netanyahu t'a remercié Biden pour 50 années de service public et de support pour l'État hébreu. Biden a mis pression sur Israël pour signer une entente avec Hamas pour la guerre otage qui toujours dans les militants dans Gaza. Le plan est proposé à gain 3 phases. S'il réussit, c'est un gros accomplissement dans le palmarès démocrate là, qui gagne 81 ans et qui décide de la course présidentielle la vague et puis endorser vice-président Lee Harris. La Maison-Blanche dit qu'il a presque fini de négocier, mais il y a une question qui était pour résoudre. Vice-président Kamala Harris a rencontré Netanyahu séparément. Il fait connaître et encourager monsieur pour entendre sur le plan cessez-le-feu à Hamas plus vite possible. Let's get the deal done. So we il dit qu'on signe en temps là pour qu'il y ait un cessez-le-feu pour mettre fin dans la guerre. On mène un otage à la caillou et puis on va le peuple palestinien assistance qui est tellement besoin. Harris dit journaliste, il a gagné une conversation honnête et constructive avec Netanyahu jeudi. Côté lui affirmé droit Israël gagné pour le défendre tête lui, mais tout exprimé gros qu'il a sauté lui gagné par rapport à paquet de monde qui mourit dans Gaza pendant 9 mois de conflit et puis situation humanitaire urgente qui existait l'autre bord. Tout j'ai braqué sous présumé candidat présidentiel parti démocrate là. Il réitéré en grand partie message président Joe Biden non, qui sait que le temps pour finir la guerre, mais lui offrit un temps plus exigeant et plus urgent dans message parlant. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, avant nous parler de vice-président américain, qui a mené campagne, et on a parlé de Kamala Harris qui a mené campagne pour nomination parti démocrate là, on a retourné dans la ville de Paris encore, côté ambassade d'Haïti dans la ville de Paris a été organisée, une petite fête, on a dit pour délégation haïtienne qui a participé dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Yo, Franquin Guédems, depuis ville de Paris. Pendant que Paris sous Brezengli, travaux final jeu olympique a terminé. Flamme jeu olympique continue à traverser Paris. Dans moment ça a tout, délégation athlète haïtienne rivé sous Paris. Plusieurs associations haïtiennes dans Paris, ensemble avec nouveau chargé d'affaires haïtien qui c'est lui Novolsi, offrit une cérémonie d'accueil pour athlète haïtien qui va représenter Haïti dans jeu olympique 2024. Yo. Oui, musique, tambour, roulé, plusieurs discours, c'est comme ça la communauté haïtienne de France là réagit pour que le capable dit bienvenue athlète haïtien. Deux soirées cérémonie d'accueil réalisées devant le ministre haïtien de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique là. N'a parlé de Madame Octavius. Dans l'occasion ça, comité délégation haïtienne présenté athlète qui va représenter pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques. Chargé d'affaires, Luno Volsi profiter honorer chaque grand athlète avec un prix d'honneur. Tableau d'honneur décerné à chaque athlète de la part des élus français d'origine haïtienne. Puis fort monde qui t'a fait déplacement, t'a exprimé contentement de accueil qui est ambassade là avec notre association qui réservée pour athlète. Madame la ministre des Sports, Sarah Devalis Niolaline Octavius, chargée d'affaires à tout,
qui c'est Luno Volsi et Atletio, tout le monde espérait un seul bagaille pour le pays d'Haïti. C'est décoller médaille et mener au moins une médaille d'or pour le pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est important pour nous pour nous organiser l'événement, pour nous montrer Atletio, comment nous sommes fiers de eux, mais pour nous montrer tout, ils ne sont pas seuls. Dans le cadre des compétitions avec lesquelles ils participent, sur la compétition mondiale, il y a un athlète qui dit que déjà c'est quelque chose de merveilleux que un athlète qui veut participer dans les Jeux Olympiques. Son gros challenge, son gros défi que lié pour eux et que eux veulent surmonter. Donc, je pense effectivement, ou gain raison, leur poser une question ça. Athlète, yo, yo content et selon feedback que j'ai eu de l'événement que nous organisons aujourd'hui à l'ambassade là. Donc, ça représente pour nous quelque chose parce que Haïti, et activité à nous faire, c'est juste pour nous voir comment nous sommes capables d'accueillir athlète et puis mobiliser toute communauté. Livre dit effort que athlète yo fait. Livre dit couleur paysan qui a flotté au plus haut niveau. Parce que là, un jeu olympique vraiment réunit presque, je dirais, tous les pays du monde. Donc là, c'est une fierté pour nous autres Haïtiens, pour nous, couleurs et drapeaux nous à flotter par des jeunes athlètes, par des jeunes Haïtiens. Nous-mêmes, dans la VOA Créole, nous avons promené nous tout partout pour nous faire vivre grand événement ça et surtout évolution chaque grand athlète haïtien. Jedems Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. N'a pas retourné aux États-Unis, nous parlons de New York. Dans le moment que Nouvelle York fait sentir, semblait que vice-président américain Kamala Harris cap chercher nomination au Parti républicain, il est capable, il y a tendance à montrer qu'il est capable et jouer nomination pour le représenter Parti démocratique dans l'élection présidentielle novembre 2024. Question qu'a posé Kounia, c'est qui est-ce, mon Parti démocrate là, qui est capable vice-président et ticket ça? Nous parlons de Valérie Saint-Louis dans la ville de New York. So hear me when I say. Qui moun li pral choisi? Ça, c'est gros question politique qu'a posé dans moment ici aux États-Unis. Après que président Joe Biden t'ait lagué piel sous question réélection li. C'est vice-président Kamala Harris qui gagne en pile chance pour devenir candidat officiel Parti démocrate là. Kamala Harris, pour le moment, a fait campagne pour compte li pour président. Parmi moun qui en considération pour venir entrer dans la course électorale avec lui comme candidat pour vice-président parti a, gen la donne yon paquet gouverneur. Roy Cooper, dans l'État Caroline du Nord, yon démocrate qui te gagné élection deux fois déjà, les majorités électeurs État, te choisi républicain Donald Trump pour président. Ak Josh Shapiro, dans l'État Pennsylvania, que tous deux partis ont considéré comme yon État important que yon doit gagner en novembre. Et puis, il y a tout yon astronaute qui te vint tourner yon sénateur américain, Mark Kelly, dans l'État Arizona. Avec convention nationale Parti démocrate là qui planifié pour juste quelques semaines cap vin la yo, processus la pral gen pour le fait vite et pressé. William Galston de Brookings Institution. The danger of an accelerated process. Danger au processus accéléré, c'est que bagay yo pral gen négligence sa dan yo. Erreur qu'a fait yo, c'est erreur que yo processus pilant ta ka empêcher. Mais li pa gen aucun choix, li doit faire li vite et puis faire le bien. Pa gen aucun science pour faire droite et bien. Il s'agit de choisir yon moun ki ka attire plus vote. Et spécialement, nan ti point état sa yo ki ka balancer et pi gen en pile chance déterminer résultat élection yo. Qui donc ça veut dire que choix vice-président ta dwe concentrer sous zone stratégique géographie au lieu que li concentrer sous personnalité moun nan. Jay Chen, c'est yon délégué Parti démocrate là et yon activiste politique nan état Californie. I think someone. Moi, pensez, yon moun qui sorti dans Midwest là, ou soit même qui sorti dans Sidla, ta yon bon choix. Andy Beshear, c'est yon gouverneur dans l'État Kentucky. Moi, pensez que l'État fait yon bon choix. Nous voulons assurer nous que nous sommes capables de balancer ticket parce que nous gagnons yon moun qui sorti dans l'État Californie. Yon moun qui sorti dans l'État Californie, c'est Kamala Harris. Et puis, comme considération politique, yon exclu candidat présidentiel là à candidat pour vice-président qui yon tous les deux sorti dans même État. Ça exclut gouverneur Gavin Newsom, qui t'est espéré venir candidat présidentiel dans une prochaine élection. Et si t'as gagné deux femmes qui candidat sous ticket démocrate là? Gretchen Whitmer, c'est gouverneur État Michigan qui sont État important en pile. Mais il n'y pas paraître que l'intéressé n'a causé comme ça. I am not leaving Michigan. I'm proud to be the governor of Michigan. I've been consistent. Moi pas quitter Michigan. Moi fier pour me gouverneur Michigan. Moi connais wap fait travail. Moi pas pral aucun côté. Popularité yon moun comme yon gouverneur ou soit succès li nan congrès pas garanti que le café yon gros impact comme compagnon yon candidat nan course électorale là. Selon ça que auteur écrivain de livre sous vice-présidence là, Joel Goldstein fait remarquer. Are they ready to
to shine on the national Est-ce que yo paré pour yo briller sous scène nationale là? Ça qui différent en pile de leur fait campagne dans un état ou soit dans un district. Deuxième citoyen qui n'a pas ce commandement, c'est de préférence yon moun que électeur yo confortable avec lui. Parce que li juste yon battement que pas trop loin présidence là. Pour VOA News, Steve Herman, correspondant pour la Maison Blanche, adaptation créole, Valerio Saint-Louis, pour VOA Créole, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, n'a pas été toujours aux États-Unis. Ben, agent d'or américain a arrêté deux leaders cartel de Sinaloa au Mexique. Alors, ils viennent sur le territoire américain, ils ont été arrêtés et El Paso, dans l'État de Texas. Marius Pierre. Autorité américaine a été arrêté dans Texas hier jeudi à Ismael El Mayo Zambada, un leader depuis longtemps dans cartel Sinaloa Mexique, avec Joaquim Guzman Lopez, un petit garçon, un autre leader cartel notoire, d'après le département de la justice américain. Zambada, c'est un leader puissant cartel Sinaloa. Pendant plusieurs dizaines d'années, ensemble avec Joaquim El Chapo Guzman, Zambada, c'est un trafiquant de drogue qui est plus populaire dans le monde, là, parce qu'il était dirigé opération contrebande cartel là, pendant qu'il y a Kembe, un profil fil qui bat. Yon autorité fédérale mexicaine te dit agence nouvelle à société de presse que Zambada à Guzman Lopez te arrivé aux États-Unis dans yon avion privé et puis yon te remet tête yon by autorité yon. Autorité a te parlé à condition pour non pas citer parce que li pas de gain autorisation pour discuter sous affaire si là. Gouvernement américain te offri yon récompense jusqu'à $15 million pour information qui menait dans arrestation Zambada qui te évité autorité yon pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, nous parlons au Venezuela, côté dimanche qui vient là, électeur pour agiter bulletin pour y élire un président. Donc, président sortant, Nicolas Maduro, qui va chercher un troisième mandat. Jacques Mélisier a dit nous, opposition en tête face devant président sortant. C'est un gros full moon à Crad Rouge pour Pifor qui accueille président Nicolas Maduro dans la capitale la Caracas avec un pile musique dans l'occasion du dernier meeting campagne présidentielle. Disciple de fin président Hugo Chavez, la président Nicolas Maduro fait dernière apparition publique Lisa avant élection présidentielle qui vient pour dérouler dimanche 28 juillet à Capvilla, côté libéral derrière un troisième mandat 6 ans. Maduro promet peuple là 50 ans la paix. El domingo se decide. Avec victoire El dimanche Capvilla, nous garantit la paix en Venezuela pour 50 années Capvilla. Et puis, bon côté opposition, peuple souverain descend en masse dans la rue et y a chanté bien fort. Si c'est puede, yes we can, oui nous capables. Dans tête foule là, à côté leader opposition Maria Corina Machado, gagné Edmundo González Urrutia, 74 ans, politicien très réservé, ancien ambassadeur, qui trouvait par accident candidat pour opposition politique unifiée. En parlant de Mesa de la Unidad Democrática, qui représentait une résistance devant Maduro. Il trouvait la tête sondage dans l'intention vote. Machado dit qu'il connaît le peuple vénézuélien très bien. Je sais ce qui est passé en Venezuela. Je sais ce qui est sentiendo la gente. Je sais comment va se faire. Moi, je connais ce qui est passé en Venezuela. Moi, je connais ce qui est senti. Et moi, je connais qui est en participation à pied dimanche qui vient là. C'est peut-être ça. Nous besoin c'est pour tout vote qui compte que yo imprimé procès verbal yo et que nous mêmes nous gain accès à procès verbal yo. La Maison Blanche voye yon pinga by Nicolas Maduro pour élection dimanche déroulé sans menace ni intimidation. John Kirby, porte-parole la Maison Blanche, dit pas gain aucune répression politique avec violence que y a pas accepté. Président chilien bon côté parle en parlant de Gabriel Boric. Li déclaré li soutenir déclaration Tokay brésilien li en parlant de Luis Inácio da Silva alias Lula qui précisait que pas de gain violence dans élection et li déclaré en parlant de Boric tant que Lula dit pas droit dans aucun cas menacé fait sans couler et li exiger élection transparente compétitive qui a déroulé en basé observateur international. Dimanche qui vient là, c'est 21 millions Vénézuéliens qui gagnent l'âge pour voter, qui prennent le bulletin dans l'élection présidentielle. Caracas a retiré l'invitation qui a été lancée pour autoriser présence experts Union européenne pour observer le vote là. Cependant, il autorisé quand même observateur l'ONU, Accent Carter, qui est basé aux États-Unis, pour être présent dans l'occasion élection présidentielle. Jacques Lebelizer, VOA Créole.
Et puis, dans le pays d'Haïti, conseil provisoire, conseil présidentiel provisoire, transition, hein, eh bien, ils ont installé une commission 9 membres qui pour analyser et étudier code pénal avec code procédure pénale haïtien. Hein. Nous pourrons joindre pour question si là, Renan Toussaint, qui a une réaction, un ancien sénateur. C'est président conseil présidentiel transition et dans les Blancs-Fils, en présence quelques conseillers présidentiels avec premier ministre Gary Conny, qui était possédé avec investiture 9 membres commission ça, qui constituait avec ancien premier ministre Enex Jean-Charles comme président Winnie Magloire, Jean-Joseph Exumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Kenel Senatus, Wando Saint-Villiers, Yudlin Cherizard, Akouben à Joseph, chaque moun sa yo, ou se voit yon ampliation par rapport à nomination yo. Président CPT, hein, Edgar Leblanc-Fils, invite nouveau commissaire sa yo, qui gagne yon mandat 10 mois, commence travail rapide vite pour formuler, effacer ou bien contextualiser tout article controversé dans intention pour satisfaire tout secteur dans le pays d'Haïti pour que définitivement après 189 l'année, paysan capable de doter un code pénal avec un code procédure pénale qui prend en réalité infraction qui lié à modernisation. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était président commission justice et sécurité publique dans le Sénat, gagne une réaction sous démarche. Ça. Moi, j'ai écrit pour me demander pour pas quitter un an rivé, pour monter en commission qui est capable de faire travail de correction qui doit gagner dans le code pénal. Là. Moi-même, dans la contribution citoyenne, moi, et vu expertise dans le domaine, ça, moi, voyais by CPT à tout, il y a un document qui est les préoccupations du sénateur Senatus relative au code, au nouveau code pénal. Donc là-dedans, nous pointé du droit les différents articles qui contestés par société noire et qui demandaient une autre approche. Maintenant, nous constatons que nous prenons acte du fait que CPT a monté en commission. Nous, dans la commission, ça a gagné plusieurs têtes qui étaient utiles PIA, qui étaient utiles PIA si vous voulez utile. Nous voulons seulement rester gardés pour nous qui travaille pour le fournir à la société. C'était dans le mois de mars 2020, sous la présidence Jovenel Moïse, un code pénal et un code procédure pénale était publié dans le journal officiel d'État Les Moniteurs, mais qui n'a pas jamais entré en vigueur à cause de trois failles. Société a été identifiée dans le document, ça qui a forcé l'autorité à faire bac. N'a pas rappelé, il y a déjà 3 commissions qui travaillent sur la question ça. Nouvelle commission ça fait 4. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis, dans le pays d'Haïti, toujours responsable éducation, pas qu'à attendre à visiter le pays d'Haïti, côté de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, là, Yves Manuel. Ministre de l'Éducation nationale, là, Antoine Augustin, avec directrice exécutive Education Kenway, Yasmine Chérif, visité pendant journée 1 centre compensation apprentissage qui logeait lycée national Pétionville. C'est une visite qui rend à plus passer 500 élèves secondaires 4 qui bénéficiaient cours saio ministère lancé depuis 8 juin qui saute passé là. Dans l'occasion, élèves classe terminale exprimaient gratitude envers ministère l'éducation nationale sans compter partenaires yo qui soutenu programme ça et qui permettent à l'échelle nationale près de 80 000 apprenants yo rattrapé tant yo t'ai perdu à cause violence qui t'a fait dans quartier respectif yo. Ministre l'éducation nationale là qui t'est prend la parole dans circonstance là attirer attention sur quantité jou ti moun yo perdu et il dit le regret et ça qui affecté depuis environ yon vingtaine d'années l'école haïtienne yo. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Bon côté PAL, Yasmine Chérif, directrice exécutive Education Kenatwit, un fonds mondial qui dédié à l'éducation dans situation urgence à crise prolongée
reconnaître travail ministère qui selon ça dit aller dans sens amélioration système éducatif là. La connaissance que nous pouvons contribuer pour limiter la souffrance, pour donner la possibilité de l'argent pour continuer et pour le recovery, l'éducation, parce qu'en Haïti, on a une histoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, ministère communication avec culture, a organisé un soirée gala justement pour marquer 69e anniversaire création ou existence compas direct en Haïti. Nous parlons de Steven Aristide, lui-même qui était présent dans le moment ça. Dans l'idée pour fêter 69 l'année compas direct, le ministère culture et communication a tête collé avec Live pour monter organiser un soirée gala dans l'hôtel El Rancho. Plusieurs artistes et personnalités qui sont dans le secteur musical étaient présents. Pour chanter créole là, Tidjozeni, lui fait connaître, l'a continué de transmettre qu'il s'y compas. Peut-être que qu'on y a regardé l'autre pays qui a exploité et peut-être que qu'on y a gampil l'autre artiste étranger qui commençait à entrer dans le rythme qui commençait à chita dans le rythme et qui commençait à proposer de l'autre bagarre avec rythme compa. Donc moi pense que ancêtres nous ont fait un travail extraordinaire, puis grand ont fait un travail extraordinaire. Nous disons merci, nous saluons pour tout ça qui a été fait de nous, Jean-Baptiste, à tout artisan qui mène le combat direct. Je dis à moi, bien content que je dis à moi, compter parmi tout les icônes. Et je me suis levé avec Negio, je me suis grandi, l'éducation musicale m'a été faite avec Negio. Et je pense que je dis à tout, je transmets ça que je apprends. Et même si je comprends le combat et je file le combat à d'autres jeunes. Pendant la soirée, l'organisateur a été honoré plusieurs personnalités avec institutions qui travaillent pour bailler compas à Bourad. Parmi eux, Mac Anderson Brega, qui est animateur radio-télévision Caraïbes, Septentrional, Tropicana, Akenson Belize, tout le monde connaît son nom, Zagalo, Actidio Zeni, pour ne citer ça seulement. Pour Jean-Marie Simon, qui est un homme qui a organisé l'activité, il fait connaître, il a une motivation pour organiser l'activité parce que le compas est important pour le peuple. Et parce que c'est identité nous comme musique. Motivation, c'est parce que nous pensons que le compas c'est important pour le peuple. Le compas c'est ça nous gagne. Nous identifions nous en général avec lui-même comme musique. Donc c'est vrai dans nos contextes délicats et difficiles, mais il est important que au moins nous voyons un signal, ne serait-ce qu'en prévision à ça, 70e dans carré, qui pourrait être symbolique, 70 ans quand même, c'est un chiffre fort, c'est 7 fois 10, mais en attendant nous arriver là, parce que nous devons un premier signal par rapport avec 69e dans. Et c'est difficile en Haïti, il y a un peu de jazz qui pas là, il y a un peu d'artistes qui pas là. Nous avons une vie nocturne qui carrément a disparu aujourd'hui là, ou bien qui au ralenti. Mais nous devons quand même, et dans niveau par nous, réunir les principaux acteurs, les principaux opérateurs culturels. Ce n'est pas ouvert au grand public, sinon le public a regardé dans le live, RTVC, TNH. Mais au moins, opérateurs, managers, ingénieurs son, artistes, la presse, etc. Et nous devons l'ajouter pour au moins un gala 69e qui pour moi-même est apprêté dans l'histoire. Malgré cette situation de sécurité pays, en pile groupe qui a sorti affiche sur Haïti pour période estivale là, pour être capable de jouer dans quelques villes sur Haïti et parmi eux Port-au-Prince. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Steven Aristide. On a dit que non dernier note qui concerne et musique qui concerne musique compas et bien il y a un responsable ministère de la culture et communication et ministère des affaires étrangères bien mis ensemble et ils soumettent musique compas by l'UNESCO pour candidature musique compas by l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voilà, je m'accable la tête de nous mettre émission ça dans l'air. Je dis à ce vendredi, ce week-end, mes amis, si nous conduisons, nous ne pouvons pas consommer alcool. Et si nous consommons alcool, nous ne pouvons pas conduire. Parce que nous avons besoin encore lundi, même côté à toujours. Jacques Bélizère, bon après-midi, tout le monde qui est là avec nous. Merci en pile. Nous allons lundi prochain. Premier ministre Gary Kony, monsieur qui décide de faire ça en l'air, il y a tous les médiatiques et monsieur décide de faire ce pays. Monsieur voit un message clair, bye bandi yo. Et monsieur dit que l'État pas abandonné, l'État rete motivé et déterminé pour capable de prendre contrôle pays. Jean que toujours dit, caille en caille, quartier en quartier et ville en ville. Et l'État pas dans question négociation avec bandi armé. Bien que lui reconnaît que ça gèle là comme situation insécurité.
Ça qui est là comme infrastructure sur plan sécuritaire que l'État pas qu'a courir ba réponse un seul coup ou bien jeudi à demain avec situation insécurité selon PM Gaïkouni, mais il dit si parti pas que l'État pralé et l'État rivé remporter la victoire pour me citer PM Gaïkouni. Jeudi là en pile secteur en pile acteur croit que question insécurité hein li sont questions qui doivent intéresser chaque grain haïtien mais d'abord autorité qui n'a plus au niveau dans l'État parce que c'est eux même qui a touché l'argent l'État c'est eux qui gagnent les moyens l'État nan meyo privilège l'État nan meyo mais yo doit dégager commettre Jean-Jacques et ben moyen avec force de l'audio et permettre que yo arrive ben résultat comme ça droit. Mettez avec mission multinationale soutien sécurité à Haïtien pour y résoudre problème insécurité en désir Venise. La situation, c'est engagement autorité dans l'État pour garantir sécurité population dans diverses radios que Premier ministre Gaïkouni a passé pendant journée hier, lui montrer que volonté a toujours manifesté bon côté parle pour bataille pour permettre que l'État récupère pays à 40 et 400 quartiers, même que lui présenter état figu par rapport avec experts dans sécurité qui ont dans le pays qui montrer que situation ça n'est pas qu'à résoudre du jour au lendemain, la continuer combat pour permettre que sécurité rétabli en dedans pays. Bien qu'il n'y ait pas de jour, il n'y a pas de date, que l'autorité policière et judiciaire qui est en dedans pays prennent engagement qui permet que vous rétablissez la sécurité et le comprendre que la population haïtienne a un intérêt pour vous montrer que vous n'avez pas attendre par rapport à l'insécurité que les bandits et les armes installés depuis un bon bout de temps. Il fait quoi pays a bien pour retourner dans normalité après ça te connait avant et retirer foyer gagnant en dedans pays. Il montre que les bandits n'ont pas gagné 3 à 4 choix. Bandi yo gen 2 choix. Ce soir, yo dépose les amis, reconnaître l'autorité de l'État, ou bien la police, avec le support que la police gagne, marche pour gagner tout partout à travers le pays, les Peterson. Rencontre important, gros bout de tonton rencontre yo, pas suspendre une fête, c'est 2, 3, 5, 6, 7 rencontres que le Premier ministre Gaïkouni a fait presque par jour, c'est pour discuter question insécurité. Mais négociation à gagner, par exemple, mout établa, Blaise Peterson, parce que Gaïkouni, DG Normil Rameau, ministre Justice Carlos Hercule, yo gen toute position. Et je dis ya, ministère Travaux Publics, Transport et Communication, rentré dans Jouetta. Ou connaît, ministère Travaux Publics, Transport et Communication, c'est lui-même qui gagne les matériels d'engin loup qui cap fait bandit, qui cap fait mounio dans le centre-ville Port-au-Prince, respecté, arrêté, qui t'est sorti, qui t'est décrété état d'urgence sécuritaire, eh ben, il a demandé mounio dans 8 jours francs, pour quitter en bas la ville là, qui permettre que vous mettez en application, et décret qui t'est sorti, qui t'est décrété état d'urgence sécuritaire. Songez, dans état d'urgence sécuritaire, les personnes, ou pour quelqu'un couvre fait la dent, ou pour quelqu'un côté l'État qui a décidé saisir machine qui a coulé sans plaque, de pour dépasser la loi, moun qui pa gen assurance, qui pa gen licence, en dedans pays, état d'urgence sécurité a, li rentre dans face ça ou tout. Quartier côté qui gen gang, cap évolue la dent, eh bien, unité spécialisée, en dedans la police, cap déclencher opération sans ça pas annoncé, ça personne pas connaît, ou cap rive ouais, ou gen on caille, ouais, c'est engin loup qui pratiquement a fourré pelle là-dedans, parce que zone ça a décrété l'état d'urgence sécuritaire, li gen terroriste, li gen zak banditisme qui a fait là-dedans. Premier ministre Gaïkouni te rencontré dans une séance travail important avec un ministre autour du gouvernement, dans l'idée pour être capable de mettre en action ça qui vient pour être avec concrétiser pour améliorer condition la vie population qui a connu une situation extrêmement difficile. Et Premier ministre, tout, les personnes, Yoshita, pour réfléchir, pour garder et te mettre. Songez, il y a une commission qui mettait sous pied pour essayer d'entendre garder question code pénal pays. Eh bien, Premier ministre Gaïkouni, il était accompagné avec un président conseiller présidentiel transition, M. Edgar Leblanc-Fils, qui était participé dans la cérémonie investiture et avec un membre commission qui prend la météo et aux fonctions pour être capable et garder pour réforme et code pénal là que nous songeait tout par l'empile qui était fait sous question si là c'est 9 membres qui sortit à travers divers secteurs
judiciaire là et qui composait commission syllable cette personne qui pral garder pour eux qui gens le cap bail pays a yon l'autre et code pénal réforme code pénal là sans songer l'elle te fait sortir sur Jovenel Moïse t'a décidé sur lui yo te gagne un ensemble de points là-dedans ensemble des articles que population te levé voix société a te levé voix qui permet que repenser avec cela la situation de garder bagala dans l'autre dimension dans département de l'Artibonite. Population mobilisée, on ne peut plus. Dans diverses communes, tant que Rivière la Tibonite qui fait partie état d'urgence sécuritaire, Liancourt qui fait partie état d'urgence sécuritaire, là, et bien, Blaise Peterson, c'est tant, il y a près de tant d'autorités policières, judiciaires, bah, coup d'envoi, tant que Jean-Premier ministre Mandel, faut que population participe dans ensemble travail qui permet que sécurité a retourné, et bien, dans le département de la Tibonite, c'est tant, il y a près de tant, parce que il y a diverses zones qui mobilisaient déjà, parce que, ouais, jusqu'à présent, il y a des communes, tant que Liancourt, gagnent cellules résistance. Il y a un groupe autodéfense. Dans le poisson D, il y a un groupe autodéfense. Ça, c'est des moyens qui a mis à la disposition pour aider la police à résoudre le problème de sécurité qui gagne dans le département de la Tibonite. Et même l'agent, il y a des organisations qui préparent pour aider l'État central dans la prime de risque qui a mis disponible pour les policiers qui peuvent mener l'opération. Sans compter un groupe policier qui est originaire de Petite Rivière de la Tibonite, sans nous pas compter un groupe militaire qui est originaire du département de la Tibonite, qui dit au pari, c'est pas l'argent qui intéresse, c'est mettre moyens disponibles pour venir mettre bâton en roue, bandit basse gangriffe, bandit cocorat sans race, qui a pas de problème. Dans la situation de bandit, on a des bâtons de la Tibonite, respectivement, bandit cocorat sans race qui pas chômé, ancien délégué départemental Alexandre Emmanuel est kidnappé, par la suite, il a pris libéré. Et songez, bandit Kokorat sans ratio, yo te sorti après disposition que un groupe qui te relé table concertation qui t'a goumé contre Jovenel Moïse, yo te compte utiliser jeune garçon ça dans faire mouvement et ancien délégué à pasteur Emmanuel et Alexandre, il te fait partie table concertation et bien yo jeune yo entente avec monsieur bandit Kokorat sans ratio, yo libéré pour l'évacuer avec activité. Et bien commissaire Jean-Ernest Miscadet, en pile monde continue à parler de lui. Pour disposition qui ont été prises dans le gouvernement par rapport avec Salvo dans la bataille contre l'insécurité, vous fait quoi que la police a essayé de regarder une stratégie pour le niveau capital là, pour le David Bay, un coup de main avec Nomil Rameau dans le travail qu'il a fait. Tant que Jean, PDG Radio Scoop, il t'a parlé pour contrer, pour faire proposition, eh bien, il recevra le Premier ministre Gary Conny, il pose la question. Ensemble, proposition qu'il t'a fait, à travers André Adjola, sans doute, l'y fait, yo, avec Premier ministre Gary Conny. Nous pral garder, nous pral tendre. Même Jean, Premier ministre Gary Conny, l'y passe dans l'autre radio, dans le niveau capital, là. Nous t'a quand c'était un pèlerinage. Est-ce que, après le défi de rencontrer avec, organisation, qui a passé donc, ouais, qui ont cap régulariser plateforme média en ligne, yo, travail média en ligne, yo, puis t'es passé dans presse traditionnelle, là, tout. Parce que l'y veut comprendre la communication à travers journalistes, Ligue force li nan bataille contre insécurité, sans doute qu'elle dit la menée Blaise Peterson côté divers secteurs besoin mettre la donne pour résoudre problème insécurité et divers mondi continue à valer à des naissances continue à jeune baron dans travail que la police a fait nan grossier opération a poursuivre et en pile n'a courir grand monde c'est comme ça population a filé manchette population a filé bouteille population a filé grand chaos population a filé kwachapika des bandits qui tape au problème pour kounier. Nous pas dit monde pressé à le côté tête ou grecier. Mais, selon magistrat, plus passe 70 gros courés cochons qui t'a bail problème dans la communauté à valer à des naissances pour qu'on y ait des personnes, ça semble qu'on calme apparent dans grecier. Et comme une grecier, ou jusqu'à présent, autorité ou beaucoup dit rien sous commune grecier que nous songez, ben tu as été pris en contrôle commissariat, mais t'es différent non parti, nous t'es ouais l'homme sans jour que t'as fait chelbel à dans. Chef ville ensemble, non. Lui montrer qu'elle toujours pour dialogue. Je dis en blesse personne. Dans Cité Soleil, gros, la paix faite, gang à gang réconcilié, en pile, on a posé cette question. Est-ce que c'est parce que le peuple, là, ensemble, en tant que ça, on a mis un gang, a fait ses effets, l'important, l'nécessaire pour nous analyser, pour nous questionner, pour nous garder bon côté, à mauvais côté, en tant qu'a fait, dans mis un gang, l'explication. N'a que vous l'ajoutez des Ivenes, côté gang, M. Sonnet Saint-Louis, monsieur Gaï Onan, monsieur qui c'est avocat, m'kwe Raoul Pierre, lui, c'est Matropem, qui c'est président conseil BNC, hein, eh bien, maître Sonnet Saint-Louis, monsieur qui parlait sur antenne, alors qui parlait avec un confrère, nous dit ça non de. Bon, vous dit ça non, dans l'émission que vous dit ça non animé présenté. Hein? Mais monsieur cité nos trois conseillers présidentiels, qui c'est Louis-Gérald Gilles, représentant à quoi 21 décembre, Emmanuel Vertiller, qui c'est représentant plateforme Petit Dessaline dans le conseil là, Augustin, qui c'est représentant Red et Compromis,
Mais selon M. Sonnet Saint-Louis, il fait qu'on est que trois conseillers, ça y est, ils mettent mis en bas gauche. Et président du conseil BNC, hein? Parce que l'homme se parler. Mais il a tout fait, monsieur. Parce que il m'a dit, monsieur, 100 millions de gouttes, mes amis. 100 millions de gouttes, oui. Il y a qui ont demandé. ILC, c'est dossier, oui. Ah, eh, blague, ILC, ça fait, monsieur. Eh, blague, ah, bon, tout barré. Ok. Et directeur ILC, ça qui c'est un jeune garçon compétent. Ok. Hans-Jacques Ludich Joseph. Ok? Monsieur Gapil compétence. Monsieur capable. Ok? Mais on sait, you know, boss. Bon, qui est. Bon, monsieur, pas mettre tête, li, mon cher. Ou pas, c'est le gota, monsieur, pas mettre tête pour voir. Pour que ULC, c'est qu'elle vraiment enquête sur bagaza. Ah, mon cher. Mais premier ministre, tout, et dans la journée, il y a l'expression, il était passé et visité responsable dans ILCC, il passé dans CSCCA, il passé dans ICREF tout pour essayer d'entre regarder. C'est ça qui vient pour un cadre de soupçon à corruption. Il dit qu'il gagnait dans 20 gaz, dans BMPAD, dans le pays, surtout dans l'année qui s'est passée, et demandé pour travailler ensemble, pour faire une enquête après ces pressés, et sous plusieurs millions de dollars. L'État qui mal passé dans la question Gaza, dans BM pas de l'exploitation. Ça veut dire Gary Conin qui te dit zéro tolérance pour question corruption, mais en face lui, Kyle Louis Gérald Gilles, ça n'est pas de faire, c'est corruption, c'est vol qu'elle est. Est-ce qu'elle est dénoncée, ça? Est-ce qu'elle dénonce? Comme, il y a le CCD, il saisit, elle confirmait que Negio te demande 100 millions de gouttes, moi, Jean-Charles Cap frappé. Moi, Jean-Charles Cap frappé. Comment ça? Parti. Non, attendez. Ou pas représentant là, t'es dans la rencontre là? Emmanuel Vertilaire. Emmanuel Vertilaire. Malgré Emmanuel Vertilaire, après le film fait Brigadier ça, ou elle allait se laisser ça, li pratiquement, elle fait. Déclaration patrimoine. Déclaration patrimoine. Parce est-ce que l'autre chose fait? D'accord, c'est vrai. Jusqu'à présent, t'as fait trois, c'est trois non négo qui gagne déclaration patrimoine. Trois non neuf moun gotande yo, c'est trois seulement qui gagne déclaration patrimoine. Ah oui, Emmanuel Vertilaire, qui a ça dit oui? Vous connaissez? Il faut que je révèle de l'autre chose, mais on dit c'est trois, jusqu'à présent. Ay, tout nègre, y a préparé, vin gade combien de temps après ou fini rive dans pouvoir? 3 mois. Y a fait déclaration, juste après 3 mois. Ta veut dire, en pile brigand a été fait pour les personnes. C'est une situation très grave. Nous pouvons payer dépassé spécial. Nous besoin gourmet pour payer à tourner dans normal. Comme M. Nessé lui dit, là, parce qu'il va oublier, M. Nessé lui son gros avocat, hein? Avocat de nom, de renom dans le pays, dans la société. Hein? Et je crois que M. Nessé lui connaît la loi dit. Il va d'accord porter de l'accusation sans qu'il n'y ait pas de preuves. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je voulais prendre ça, M. Nessé lui dit, très au sérieux, et s'il le faut, dans l'émission, capable de venir avec M. Nessé lui, même pas nous mentir. Veille, mimimia, veille, chat. Et il y a un pile dans l'État. Il était passé déjà, il retourne encore dans l'État. Si vous me dites des civilistes, c'est que là, je vais venir avec PM Gaï Kouni Bido. Je vais avec Kouni. Kouni, j'en ai dit, je t'ai fait un tournée médiatique. Monsieur était passé dans Caraïbes, monsieur passé dans Scoop FM, et mettez quoi que PM n'a gardé l'autre média encore. Là pour passer là dedans avant longtemps. En tout cas PM, il y a un problème pour passer dans média frame. Mais voilà, la PM non tellement